Toutes et tous, bienvenue dans le Strasbourg Football Show. Bienvenue, c'est l'avant-match. Le Racing Club de Strasbourg accueille Lyon ce week-end au stade de la Méno. Le stade de la Méno sera plein, plein comme le studio d'ailleurs. Configuration un peu spéciale parce qu'on a un invité de marque. Bon, on va commencer tout de suite à côté de moi parce que j'en profite, c'est à côté. Salut Marine. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Ça va, on n'est pas trop serré, c'est bon, t'as assez de place, tout tu peux va travailler bien. Tranquillement. C'est parfait. Ok, donc tu vas nous faire vivre le live en direct, exactement. Les commentaires et tout. Parfait, exactement. C'est parfait, c'est parfait. On va de ce côté-là, on va commencer à ma droite. Laura, ça va Laura? Ça va et toi? Ouais, écoute, moi ça va. Ce week-end, c'est un peu compliqué. Défaite. Défaite, mmh. Face à Toulouse. Ouais, 1-0. 1-0, qu'est-ce qui s'est passé? On n'était pas dedans. Ouais, bon, ça arrive. Paris non plus, hier soir, on n'était pas dedans. C'est comme ça, c'est le football. En tout cas, on espère que... Parce que là, vous êtes repassé dans la zone de relégation. Ouais. Dur, dur. Guillaume, toi, t'as pas ce problème-là? J'ai pas ce problème-là, j'ai juste pu regarder du football toute la semaine quasiment. Donc c'était une belle semaine et j'espère qu'elle va continuer comme ça jusqu'à samedi soir avec une victoire du Racing. On espère, ça va être compliqué ce week-end hein, quand même, hein, on va pas se le Mais cacher. C'est ce genre de match que les Strasbourgeois apprécient, donc ouais, je pense ça. Que ça devrait bien se passer. Alors, vous l'aurez remarqué, on avait quelques minutes de retard, on s'en excuse. C'est marrant hein, parce qu'on a un invité ce soir et il nous disait que... Lorsqu'un Africain était en avance, c'était long, je était en retard. Je suis en avance. Alfonso, ça et va l'émission commence en retard. Bon, en tout cas, moi, je suis très content d'être là. Alors. Je regarde souvent l'émission. Voilà. Et non, mais sérieux, je regarde souvent, même si je me suis trompé en écrivant Canal Racing. Alors, c'est direct. Direct tu t'es pas trompé, vraiment, parce que c'était notre nom. C'était le nom avant, voilà. Mais franchement, un plaisir d'être ici. Mais les géants de l'audiovisuel ont eu peur de Canal Racing, donc nous ont demandé de rechanger de nom. Donc, tu vois, c'est comme ça. Mais Direct Racing, c'est très bien. Tu vas bien? Alors, moi, je vais très bien. Et puis, on parlait de tous les week-ends, gagner ou pas gagner. Moi, je gagne tous les week-ends parce que comme on fait des concerts tous les week-ends avec les Gospel Kids, bah, c'est toujours des concerts qui finissent avec une victoire parce que le public est souvent conquis. C'est magnifique, effectivement. On y reviendra. On va en parler un peu plus longuement et on termine avec... Il est tout beau. Jacky Duguay-Pérou, vous allez bien? Oui, je me suis fait tout beau pour Jean pour, Perrin, venir, pour toi. Mais c'est même pas vrai. C'est pas vrai, il le dit pas, mais t'es chez France 3 aujourd'hui. Ah. C'est bien, non, mais c'est très bien. On se rapproche. Enfin, de la peut-être promo, hein, bien sûr. Mais alors là, il n'y a aucun problème. David Marcelin, qu'on connaît. On revit un peu le passé. C'est vrai. Dans 3 semaines environ. Absolument. Hein, 2 fois, vous êtes le seul entraîneur à avoir un tel palmarès. Donc c'est logique qu'on en parle. Bon, sinon, on va passer aux choses sérieuses. Ce week-end, le Racing Club de Strasbourg accueille... Ben, l'Olympique Lyonnais, 28e journée de championnat de Ligue 1. Personne n'a oublié ce qui s'est passé l'année dernière au stade de la Méno. On rappelle quand même, au cas où pour ceux qui avaient la mémoire courte, l'exploit avec la victoire dans les arrêts de jeu, le coup franc somptueux de Dimitri Lénard qui a apporté le maintien au Racing Club de Strasbourg. Est-ce que le Racing, on va faire un tour de table rapide, est-ce que le Racing peut récidiver cet exploit, Laura? C'est ce qu'on souhaite en tout cas, mais oui, rien n'est impossible. Oui, alors effectivement, mais aujourd'hui, ça... son sens plus que jamais, on va pas revenir là-dessus, ça ne nous revient pas trop, mais le PSG l'a prouvé hier que rien n'était impossible, mais là, pour le coup, concernant le Racing, donc on peut récidiver. On peut. Okay. Ça va être difficile, mais on peut. Okay. Guillaume ? Je pense que la physionomie du match sera pas du tout la même que la saison dernière. Lyon a besoin de points pour accrocher la Ligue des Champions, il reste encore beaucoup de matchs derrière, donc je pense que les débats seront beaucoup plus ouverts, il n'y a pas aussi... cette épée de Damoclès sur la tête des joueurs strasbourgeois, donc ça sera peut-être un match un peu plus libéré, moins crispé, et je vois pas autant de buts que la saison passée. Ok. Alfonso, est-ce que le Racing peut récidiver? Moi, je prends la victoire. Surtout que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais Lyon jouait comme une sacrée carte, en fait. C'était une qualification pour la Ligue des Champions. Voilà, tout à fait. Champions, même s'ils se sont qualifiés après, mais ouais. C'était un match important pour eux aussi. Et je pense que là, on va avoir un gros Racing, parce que, comme vous le savez, contre les gros, le Racing sont impressionnants. On espère. Jackie ? Ça a presque été tout dit. Ce que je pense, moi, ce que j'attends comme match, c'est vrai que le Racing est toujours plus en évidence contre les grandes équipes. Moi, je pense que le match, il va dépendre des Lyonnais, parce que les Lyonnais, c'est une équipe pile ou face. Elle manque de régularité tout au long de la saison. C'est vrai que 3 ou 4 jours après, elle va jouer à Barcelone. Est-ce que ça va jouer ou ça ne va pas jouer ? Moi, je pense que non. Et voilà, je pense que c'est la façon dont les Lyonnais vont attaquer le match qui vont décider du résultat. Plus que, en sachant que le Racing sera à guichet fermé encore une fois. Donc, de ce côté-là, la motivation sera là. Maintenant, Lyon reste sur quand même une belle série. Ouais. Voilà, Racing un peu plus difficile. Donc, a priori, les puristes vont dire que Lyon est archi favori. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on va aller vers un match assez équilibré.
Je te donne la parole dans un instant, Marine. On va quand même revenir, parce que c'était ce qui était prévu en ouverture d'émission. Vu qu'on a un petit peu de retard, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. On a une grande pensée pour la famille de Michel Sénéchal. Vous connaissez Jacques Duguay-Pérou, c'est un joueur que vous avez côtoyé du côté du club alsacien. Oui, il était au Racing quand je suis arrivé en 1973. Et je crois qu'on a joué deux saisons ensemble. C'était un joueur de milieu de terrain, très très actif, avec un gros volume physique. Un mec bien, sans problème. 68 ans, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques jours. 59 matchs de première division avec le Racing Club de Strasbourg, quelques-uns en deuxième division avec vous, justement. C'est ça, ouais. En tout cas, on a une très grande pensée pour la famille et pour les amis. Marine, on va revenir au direct. Est-ce qu'on a des commentaires? On a déjà deux commentaires à l'attention d'Alfonso. Il y a Loïc qui nous dit « Bonjour Alfonso, le mec le plus joyeux de la méno ». Et Jessica nous dit « Alfonso, le soleil de la tribune famille ». Voilà, je me dis que ça te ferait plaisir d'avoir ces commentaires. Très gentil, merci beaucoup. Et pour donc répondre à ta question sur l'éventuelle victoire de Strasbourg face à Lyon ce week-end, ça répond, Jackie, vous avez répondu à la question du coup de Mathéo Joncourt et John Linard qui voulaient savoir ce que vous pensiez en fait du match de ce week-end. Et on a Aurélie Furstos qui nous dit on l'a fait deux fois en neuf mois, donc pourquoi pas. Oui, alors la Coupe de la Ligue, c'est toujours un peu particulier. On sait que les Coupes nationales ont fait un peu tourner rapidement quand même. Le contexte n'est pas du tout le même que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, c'était un match au couteau pour les deux équipes. Les deux équipes, ouais. Je dirais que celle qui a le plus de risques dans ce match, c'est Lyon, parce que Lyon doit absolument revenir à la hauteur du LOSC qu'à 5 points d'avance. Et je pense que pour le Racing, il y a quand même beaucoup moins le feu que la saison dernière. Oui, effectivement. Alors c'est une certitude. Comment on aborde... Lyon va jouer à la Ligue des Champions mercredi prochain, ou mercredi, c'est ça, oui, c'est mercredi, face à Barcelone. Ils ont encore une carte à jouer, ils ont fait 0-0 au match aller. Est-ce que ça va trotter dans les têtes lors du déplacement à la Méno, Laura, selon toi? Je pense, mais pour ce week-end, ils vont d'abord penser à chercher les points pour justement la qualification en Ligue des Champions. Après, oui, ils vont se concentrer sur le match contre Barcelone, je pense, après ce week-end. Après ce week-end, Guillaume, selon toi, monsieur ? Oui, je suis assez d'accord avec ça, parce que je pense pas que Lyon va chercher sa qualification en Ligue des Champions en gagnant la Ligue des Champions. Donc, ça sera par le championnat. On ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense que déjà, en huitième de finale, ça va être compliqué à Barcelone. Et puis, effectivement, le match à Strasbourg va être important, comme l'a dit Jackie, pour revenir sur le LOSC. Le LOSC doit aussi jouer à Saint-Etienne, donc ça peut être une journée intéressante où ça se resserre en tête de classement. Jackie, vous voulez réagir à ça ? Non, moi, ce que je pense, c'est que les Lyonnais... Lyon est un grand club, il ne faut pas oublier, dans les 15 dernières années, avant Paris, c'est eux qui trustaient tous les titres, qui sont habitués à la Coupe d'Europe. Et je pense qu'ils n'auront pas Barcelone dans la tête, et que c'est des clubs qui sont faits pour jouer des grands matchs, quelle que soit la compétition, tous les 3 ou 4 jours. Alfonso, cette équipe... Je peux donner mon avis, parce que si on prend l'exemple du match de Paris hier, moi, je pense que Lyon... qui gagne 2-0 à Manchester, qui reçoit à la maison après. Ce n'est pas le même match. Parce que je pense que moi, ce que je trouve incroyable quand je vois l'équipe des Lyonnais, c'est qu'ils sont, même s'il y a des matchs, ils n'assurent pas, mais ça reste une équipe qui est toujours là. Quoi. Ouais. Ils sont, là, cette année, on voit Lille, mais dernière Lille joue la relégation. Marseille, on voit que ça galère un peu. Mais Lyon, ils sont toujours là, ils s'accrochent. Et on se dit que c'est une équipe quand même qui, effectivement, va jouer à fond contre le Racing, va jouer aussi à fond le prochain match, même s'il y a des matchs où ils passent à côté ou la défaite à Monaco. Il faut savoir que Monaco, c'est plus la même équipe aujourd'hui. Mais moi, franchement, je pense que ça va être un match compliqué. Et je suis d'accord avec Jackie Duguay-Pérou quand il dit que tout dépendra de Lyon pour ce match. Parce que c'est une équipe, franchement, quand ils attaquent, ça me rappelle un peu les Lillois cette année. Quand ils attaquent, c'est très dangereux. Ouais, invaincu en phase de poule. En Ligue des Champions, il faut quand même le souligner. Cette équipe a tenu tête deux fois à Manchester City. L'ogre, le cousin du Paris Saint-Germain, au final, à Manchester City. Il y a Jean-Christophe Devaux, on l'a contacté, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, qui avait gagné la Coupe de la Ligue en 2005, sous vos ordres, Jackie, qui nous dit même la Coupe de France en 2001, mais là, c'était avec Yvon Poulikan, nous disait qu'il aimerait pas être coach, parce que, selon lui, les joueurs vont tout faire pour ne pas se blesser avant le match de Ligue des Champions. On le voit, Lyon, ça va se jouer dans la tête des joueurs. Certains ne vont pas vouloir se blesser. Cela va être compliqué pour les coachs. Jackie, je sais que vous n'étiez pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que de toute façon, si on rentre sur un terrain en disant « je ne vais pas me blesser », c'est comme ça qu'on va se blesser. Et je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est pas possible que Lyon vienne jouer à Strasbourg et que l'entraîneur sache qu'il y a des joueurs qui ne vont pas se livrer à 100%. Je ne pense pas ça.
D'accord. Marine, est-ce qu'on a des commentaires ? Oui, bah, les internautes sont plutôt d'accord avec Jean-Christophe Devaux en disant que Lyon risque de justement se retenir parce qu'ils ont la tête ailleurs et peur de la blessure. Alors eux, c'est 4 jours après, hein, alors que nous, la finale, c'est vrai qu'elle est 3 semaines plus tard. C'est peut-être un peu la différence entre l'OL et le Racing. Ouais. Non, mais à ce moment-là, il ne faut pas jouer, quoi, je veux dire. Surtout au Racing. Bah, Rennes a bien eu le droit d'avoir un report de match en Ligue 1. Oui, il n'y a qu'en France qu'on voit ça, hein, d'ailleurs. C'est, très clairement. Et David Sondman nous dit qu'il aimerait bien revoir un but de Linard à la 94e sur coup franc. Si on pouvait l'avoir un peu avant la victoire, ça serait aussi bien. Ouais, donc voilà, après cette équipe de Lyon. Tu suis un peu Lyon, Laura ? Un petit peu. Qui force générale, comme le dit Alfonso, ou alors il y a un joueur en particulier qu'il faudrait museler sur ce match ? Non, pas forcément. Après, ils ont de très très bons joueurs, ils sont tous bons à voir. Après, il y a Fekir qui est en forme. Donc, Fekir, ouais. Et de Paille a retrouvé le chemin du but. Ouais, hein. Traoré, c'est une très belle équipe. Il joue à l'Ajax, lui, Traoré. Non, l'Ajax, c'est une très très belle équipe. Quand Depay est bien dans sa tête, je veux dire, c'est un grand joueur. Toi, Guillaume, cette équipe de... Moi, je suis assez d'accord, c'est une équipe qui est assez bonne sur l'ensemble de ses rencontres, mais quand elle passe à côté d'un de ses matchs, elle passe complètement à côté, avec l'exemple du match à Monaco. Elle fait un non-match complet où Genesio a poussé une gueulante apparemment assez impressionnante. Donc, faut voir sous quel signe l'équipe lyonnaise va être samedi du côté de la Méno. Si c'est dans un bon jour, ça peut être un match assez compliqué pour Strasbourg. Et si c'est dans un jour un petit peu moins bon, ben, ça serait peut-être le moment de profiter de l'occasion. Est-ce que Thierry Leroy va nous concocter une surprise comme il a l'habitude sur ces gros matchs, Jacquet ? Ouais, parce que là, on fait que parler de Lyon, qui est une bonne équipe. On parle du Racing. Thierry Leroy va faire une surprise. On peut reparler du monde, si vous voulez. Non, je pense pas. Je pense que derrière, Carole n'est pas encore prêt à jouer. Donc voilà, c'est Cassie, mais il a l'écrou, hein, Cassie, ça, je peux vous le dire. Qui jouera sur le côté, là. Et puis les trois, je pense qu'il y aura Sissoko, il y aura Persic. Après, la question qu'on peut se poser, c'est devant. Est-ce qu'on va jouer avec une pointe ou est-ce qu'on va en mettre deux ou... Voilà, c'est là où on ne va pas revenir sur le débat à Nice. Un attaquant, deux attaquants ou trois attaquants, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est... à mon avis, d'avoir un milieu bien fourni. Moi, je jouerais avec deux milieux à vocation plus défensive, même si la récupération de ballon, il y a un dé qui doit y aller, parce qu'au milieu, il y a des super techniciens dans cette équipe. L'année dernière, si on a gagné le match, je pense que c'est en grande partie par la prestation de Jérémy Grimm qui avait mis Fekir sous l'éteignoir. Je pense que c'est des genres de joueurs qui sont capables de faire la décision... Sur une seule action, et comme devant ça va très vite, c'est danger. Donc moi je pense que le Racing, Thierry Leroy a dû bien préparer ça, en sachant que d'une année à l'autre, on ne peut pas refaire les mêmes matchs. Alfonso, toi, oui. Si on parle de la composition d'équipe, moi je suis toujours... c'est vrai que moi je reçois la composition d'équipe pour l'annoncer avant les matchs, parce que j'anime la zone famille au Racing. Et en fait, quand je reçois la composition, des fois je dis « Oh !» Mais le coach a mis un attaquant, on joue à domicile. Et ça, en fait, j'ai très souvent réagi comme ça en me disant « Mais c'est dommage, pourquoi ?» Et au final, je me dis bah, « C'est pas mal parce que quand il fait rentrer un deuxième attaquant, on va dire à la 60e, 65e, tu te dis « Bon, ça va. » En général, c'est à 70e. Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop tard. Mais si on tient bien le match comme ça, là, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, finalement, ça a été très positif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire grand-chose sur son coaching parce qu'il nous a quand même bluffé pas mal de fois où on se retrouve à jouer à domicile avec un attaquant alors que quand on est à domicile, logiquement, on devrait plus jouer avec deux, voire trois attaquants. Et là, on se retrouve avec un attaquant et au final, ça paye quand même parce qu'on a des mecs comme Lala, on a des mecs comme Anthony Cassi qui sont quand même impressionnants, qui vont devant et qui créent le surnombre. Et ça, c'est quand même... je trouve ça super. Je vais vous donner la parole dans un instant, hein, parce que je pense qu'avec la façon de jouer de Thierry Leroy, avec trois défenseurs centraux et deux sur les côtés, il ne peut pas jouer avec trois attaquants, parce que s'il met deux attaquants sur les côtés, il va boucher les couloirs pour les joueurs qui viennent de derrière. Or, un des points forts de la saison, même si ça va un petit peu moins bien aujourd'hui, c'est quand même que ça soit Carole ou Cassie sur le côté gauche et Lala sur le côté droit. Le danger vient souvent des joueurs qui viennent de derrière sur des longues transversales. Donc la
la théorie du jeu de Thierry Loret, elle est aujourd'hui comme ça. Donc c'est pour ça que c'est difficile de jouer avec deux joueurs offensifs sur les côtés, je pense. Breaking news, Arsenal vient d'ouvrir le score. Marine, commentaire. Il y a déjà un petit débat qui se lance sur les réseaux sociaux. Pierre Roth nous dit qu'il aimerait voir Motiba et Ajorc devant. Et Nanou Weber dit Ajorc seul devant. On va voir, j'ai mis, on va en parler. J'ai mis j'ai concocté un petit 11 probable de ce que j'ai vu cette semaine à l'entraînement. Voilà ce que j'ai vu. Guillaume, deux attaquants d'Acosta à Ajorc, parce que Ajorc, il fait pas un mauvais match à Nice. Non, il fait pas un mauvais match. Après, c'est difficile de jouer seul en pointe, toujours avec peu de support derrière. Après, c'est toujours des cas où. Comment on appelle un système où on a un Thomasson qui est entre les trois du milieu et l'attaquant. Donc c'est un 5-3-1-1. C'est aussi un système qui est un peu délicat à suivre. Mais ce que je veux revenir là-dessus, c'est que aujourd'hui le système, les adversaires l'ont un peu assimilé comment joue le Racing. Et je pense qu'il faut peut-être un changement ou un petit changement pour que la machine reparte et pourquoi pas un 3-4-3. Je sais pas. C'est des idées un peu fantasque, mais le système à trois défenseurs est aujourd'hui bon avec les trois défenseurs que le Racing ont. On peut très bien imaginer un Lala sur le côté droit du système à quatre milieux. De l'autre côté, avec... Lala Cassie, voilà. Et ça pourrait être une solution. C'est des idées, mais Thierry Loret voit ses joueurs à l'entraînement durant la semaine. Il sait ce qu'il peut amener. Il connaît aussi les velléités des Lyonnais, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être besoin d'une petite touche différente parce que j'ai la sensation que les adversaires connaissent très bien le Racing avec ce nouveau système en 3-5-2. On en a parlé juste rapidement avec Lionel Carroll hier de ce dispositif. On lui a demandé si c'était un dispositif sur mesure adapté à Lionel Carroll et à Kenny Lala. Il nous a répondu quand même de manière affirmative. Retrouvez demain l'interview de Lionel Carroll sur le site Direct Racing. Laura, cette compo, elle te parle? Est-ce que deux attaquants, un attaquant, qu'est-ce que ça veut dire? Non, moi je préfère 5-4-1. Avec Ajorc seul devant. Avec Thomasson, Fofana, Sissoko. Et Persic. Persic, ouais. Et derrière, je vois bien Lala à droite, Cassie à gauche et les trois avec Martinez qui revient, Mitrovic et Koné. Donc juste un attaquant sur le papier qui s'appelle Ludovic Ajorc. Est-ce que ça veut dire qu'on joue qu'avec une seule pointe? Non, parce que Ludovic Ajorc, justement, il descend beaucoup et je pense que... Ouais, on revoit, c'est le compo probable pour le moment. Comme dit, c'est uniquement... On sait que Thierry Loret va nous concocter une surprise, mais on ne sait pas encore laquelle. Marine, est-ce qu'on a des commentaires? Oui, bah les internautes sont plutôt fans de la compo que vous avez faite. Par contre, vu la baisse de forme en ce moment et le manque de confiance de Dacosta, il mettrait plutôt Motiba à la place. En fait... Quand vous analysez la saison de Dacosta, c'est l'inverse. Justement, c'est qu'il revient, Nuno Dacosta. Il s'est blessé, il était hors de forme, et maintenant, il revient. Voilà, c'est demain aussi, d'ailleurs, retrouver aussi une interview de Nuno Dacosta sur le site Direct Racing. Il nous en parle. On lui pose la question. Donc voilà. Dacosta, Alfonso, toi, t'aimes bien ou... Moi, j'aime beaucoup Dacosta, mais je vois plutôt Dacosta Motiba. J'aime bien, en fait. Moi, je trouve que Ajorc doit être seul et trouver une solution avec Thomasson, là, qui tourne un peu autour de lui, parce que je trouve que c'est un joueur qui pèse, qui pose problème un peu à la défense et tout. Et je trouve qu'avec Thomasson, ça colle bien, parce que Thomasson, il est juste un peu derrière, ça peut aller. Mais ouais, j'ai du mal à imaginer... les deux ensemble. Enfin, je trouve ta compo est très bien. Hein. C'est juste que... Ouais, moi, je trouve qu'avec Motiba, en plus, ils se connaissent. Ils ont fait... Il y a un match où ça a été incroyable. Je crois que c'était le match aller... c'était où? À Angers. Où ils menaient, je crois, 2-0, d'ailleurs. Ouais, et les deux ont été super. Et on s'est fait manger. On s'est fait manger, ouais. Mais quand même, franchement, j'ai trouvé que les mecs, ils se trouvaient bien. Alors, bien sûr, Ajorc revient. Donc, il faut trouver des solutions. Mais les deux, là, ils se connaissent bien, ça peut vraiment le faire. Moi, je pense que si on met Dacosta, il faut le mettre avec Motiba et Ajorc, il faut mieux qu'il soit seul. J'ai vu Jackie Duguay-Pérou bouillir quelque chose sur sa feuille. C'était quoi, Jackie? Non, je pense que le 3-4-3, on ne peut pas jouer, parce qu'avant, j'ai expliqué que si on joue en 3-4-3, c'est qu'il y a deux joueurs sur les couloirs, donc ils bloquent Lala et Cassie de l'autre côté. Après, je pense que le rôle de Thomasson, c'est presque un électron libre. C'est un attaquant quand même. C'est lui, il a marqué 5 buts. Il est souvent à l'origine des passes.
Et puis le fait qu'il y ait un attaquant ou deux attaquants ou trois attaquants, c'est l'animation qu'on en fait. Voilà, je crois que ça veut à la limite pas dire grand-chose. Moi, ce que je pense demain, c'est que la seule réflexion qu'il y a à faire, c'est de savoir si Thierry Loret va densifier le milieu de terrain. Parce que les batailles, elles se gagnent au milieu, quoi qu'on en dise. Et puis en étant nombreux au milieu de terrain, ça permet aussi à l'un ou l'autre de se projeter et de devenir attaquant en situation offensive, tout simplement. Ouais, pour rappel, hein, Adrien Thomasson, c'est 5 buts et 6 passes décisives cette saison. Donc on peut pas dire qu'on joue qu'avec un attaquant quand on a un joueur qui a marqué 5 buts. Puis en plus, qui a eu un petit peu de mal à s'adapter quand même lors des premières journées. Ah oui, il a eu 10 matchs difficiles. Donc finalement, ça sera une saison bien accomplie pour lui. Et je crois que franchement, c'est pas le fait de jouer à 2, à 3, c'est le fait d'animer ça, quoi. Très bien. Marine, des commentaires. Oui, il y a pas mal d'internautes qui sont plutôt fans de la composition de Laura. Voilà. Et on a Eric Lemel qui nous dit, et pourquoi pas même d'entrer Gonzalves, son envie est communicative. Tu l'as pas mis dans le 11. Ben non, je l'ai pas mis dans le 11. Je l'ai pas mis dans le 11 parce qu'Anthony Gonzalves, c'est vrai qu'il a une envie hors norme. Des fois trop exubérante, d'ailleurs, son envie, mais... Après, je suis pas fan du joueur. Enfin, j'aime son envie, j'aime ce qui, il lâche jamais rien, mais je suis pas fan du joueur qualitativement. Non, on s'aperçoit que finalement, il y a 25 000 spectateurs, il y a 25 000 entraîneurs. Mais bien sûr. Et là, il y a et heureusement qu'on a un stade qui a 25 000. On est 6 entraîneurs, mais il y en a qu'un qui va décider. Bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est une vérité. Voilà. Laura, Gonçalves. Parce que c'est lui normalement qui doit savoir le mieux ce qui se passe. Gonçalves ? J'ai hésité avec Cassier, Gonçalves. Cassier, donc arrière-gauche, Gonçalves ? Non, tu remets là à gauche et... Ouais. Je sais. Après, il a fait le taf. Non, mais il a fait le taf face à Lille et on peut rien dire là-dessus. Gonçalves, c'est un battant. C'est très clairement un battant. Et c'est un joueur qui, effectivement, quand ça donc, va mal... Donc Cassier ne jouerait pas, là ? J'hésite. Cassier, là tu te retrouves avec ton... On retrouve une défense type quand même. Non, mais là, on retrouve une défense type sur ce match. Je suis obligé de mettre ta défense type. Avec Koné, Mitrovic, Martinez. Et sur les côtés, là, Cassier, t'es... Ouais, je pense t'appelles Thierry Loret, t'es presque obligé de le faire. Vu ce que les joueurs ont montré. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, Gonçalves peut peut-être rentrer en cours de match si Strasbourg est... Même à 20 minutes de la fin, c'est vraiment le joueur typique pour se battre sur tous les ballons. Et qu'est-ce qu'il dit que Gonzalez, il ne va pas jouer au marquage de Fekir ? Il y aura une surprise. Un plan de jeu sur un match. Il peut le faire. L'année dernière, c'était Jérémy Grimm. Jérémy Grimm, il a fait que ça l'année dernière. L'année dernière, Jérémy Grimm a été mis sur le marquage. Sur un match, on peut faire un plan de jeu, tout changer. Tu prends Fekir, tu l'empêches de jouer. Ça se faisait dans le temps, maintenant ça se fait. La question demain à Thierry Loret, quelle surprise avez-vous prévue? Moi, je sais qu'il ne faut pas parler des absents, mais depuis que Martin n'est plus sur le terrain... Ah, t'as le droit d'en parler. Ouais, voilà, depuis qu'il n'est plus sur le terrain, je reconnais un peu moins Sissoko. C'est-à-dire que Sissoko, qui pour moi se manifestait bien, alors est-ce qu'il y avait justement, il se trouvait bien les deux, là franchement pour moi, il est presque... un peu transparent sur le terrain. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que le milieu de terrain, il bug un peu. Et du coup, je me dis, peut-être que Persic est très très bon, hein, il fait souvent du deux touches de balle, mais est-ce que si le coach lui disait de prendre un peu plus d'assurance, comme le faisait d'ailleurs Martin, le fait de décider, parce qu'à un moment, des actions, il prenait carrément la décision d'aller de l'avant, de foncer et tout ça. Moi, je pense que c'est peut-être ça qui manque, c'est-à-dire qu'un peu de confiance au milieu de terrain. Parce que notre défense, on a beau dire ce qu'on veut dire, c'est que là, ça ne doit pas bouger. La défense est très bien, avec Lala de côté, avec Cassier, au milieu, Martinez. Moi, j'adore Martinez. Il est vraiment génial, ce mec, parce qu'il se donne à fond. Il y a Koné, lui, c'est... il me rappelle, alors, ça va vous faire rire ce que je vais dire, mais il me rappelle un peu Seka. D'un côté, c'est-à-dire le côté où un peu le côté patron. Après, techniquement, c'est différent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est vraiment un gars. En fait, il est impressionnant. Moi, quand je vois Koné sur le terrain, il est vraiment impressionnant. Avec Mitrovic, on peut dire ce qu'on veut dire. Mais il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Mais cette défense, elle ne bougera pas de toute façon parce qu'elle est très bien comme ça. Mais milieu de terrain, c'est là où vraiment, pour moi, il y a un problème parce qu'il ne faut pas oublier, deuxième, troisième meilleure attaque. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux attaquants? Pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est peut-être du côté du milieu de terrain où vraiment il faut
Il faut peut-être modifier quelque chose. Ou... Je ne sais pas. Le coach, le coach est là. Moi, je pense que Sissoko, c'est un jeune joueur qui découvre la Ligue 1. Fofana, c'est un jeune joueur qui découvre la Ligue 1. Perisic, il vient d'arriver. Et Thomasson, il a mis du temps à s'acclimater. Donc, c'est vrai que l'absence de Martin est préjudiciable. Mais on ne peut pas demander à ces jeunes joueurs, déjà, d'avoir le vécu d'un Martin qui a déjà été champion de France, qui a joué à l'étranger. Je pense que c'est... Voilà, il faut faire preuve de... Ce sont des joueurs qui ont du talent, mais je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu de, un petit peu de patience pour les voir dans de meilleures conditions. Est-ce que Martin n'était pas plus un leader que, qu'un Perisic aujourd'hui, malheureusement et, bah, c'est et pas le même style de jeu. C'est pas le même style, c'est pas le même style de jeu. Hein. Mais après, il, Martin il est beaucoup plus percutant, je veux dire, et beaucoup plus agressif, percutant, et un jeu long qui est supérieur à celui de Perisic et qui justement est capable de trouver ou Ajorque ou Motiba ou Dacosta dans les espaces. Je sais que je vais faire une petite surprise à l'ami Cédric Munch qui est à la réalisation, mais on va juste modifier un peu le plan que j'avais préparé. On va quand même écouter, parce que vous avez parlé des jeunes joueurs, vous avez parlé d'Issoko, vous avez parlé, on a parlé de Ludovic Ajorque, de son placement et tout. Je vous proposais d'écouter Thierry Leray lorsqu'on lui pose la question justement par rapport au positionnement de Ludovic Ajorque et par rapport aux jeunes joueurs du Racing Club de Strasbourg. Donc Cédric Munch à la réalisation, si tu es prêt, tu peux envoyer. Des garçons qui arrivent de Ligue 2 en Ligue 1, même au bout de 6 mois, ils ont encore pas mal de boulot à effectuer. Donc ça concerne lui, mais ça concerne Ibou, ça concerne les jeunes qui arrivent dans l'équipe, ça concerne même certains anciens. Quand je dis que contre Lille, on aurait pu être encore plus performant, voilà, ça fait partie de... On a fait la vidéo cette semaine et les garçons ont compris ce qu'on voulait leur montrer ou leur démontrer. Donc ils ont tous la volonté de progresser individuellement, ça c'est clair. Et donc, nous, normalement, s'ils ont tous la volonté de le faire et qu'ils réussissent à le faire, bah forcément, collectivement, on devrait s'y retrouver. Quoi. Donc, il faut accepter que de temps en temps, on recule d'un pas pour avancer de deux. Quoi. Voilà, c'est uniquement ça. Donc, nous, on n'est pas pressé dans le sens où on laisse du temps aux garçons de digérer ça. Ce qui est important, c'est que pendant que ces garçons, peut-être, font le pas en arrière, bah, y en a d'autres à côté qui fassent les deux pas en avant. Voilà, c'est un peu ça pour que l'équipe soit toujours à un bon niveau, voilà. Donc on n'est pas dans la meilleure forme de l'année, mais on est dans une forme correcte malgré tout. Donc on n'a aucune raison de trembler ou de s'inquiéter. La seule chose qu'on doit faire, c'est bien bosser, faire notre job et essayer d'être les plus performants possibles. Et ça, quand je dis les plus performants possibles, ça concerne les joueurs, mais ça concerne aussi le staff. Accepter de faire un pas en arrière pour en faire deux de l'avant. Jackie, c'est un discours vous pourriez tenir à vos joueurs ? Absolument. De toute façon, dans une équipe, ce n'est pas toujours les mêmes qui sont brillants tous les matchs. Hein. Je l'ai toujours dit qu'une fois, c'est un qui fait un petit peu plus parce que le copain à côté est moins bien. Et le match après, c'est l'inverse. Donc, voilà. Et puis les jeunes joueurs, je pense qu'ils sont mis en confiance par l'entraîneur, par les anciens aussi. Et c'est des joueurs qui vont progresser. C'est un placement sur l'avenir, c'est sûr. Laura ? C'est pareil, toi qui joues au foot à haut niveau quand même, on rappelle, hein, tu joues à Vauban, deuxième division du championnat de France féminin. C'est le cas, c'est-à-dire des fois, tu es obligé t'es dans un creux, t'es dans le creux de la vague, et puis en fait, d'un coup, tu repars au niveau de l'avant. C'est des passades, il faut travailler, il faut se reconcentrer et aller de l'avant, mais ça arrive. C'est quoi le plus dur à ce moment-là? C'est de garder la tête froide, de savoir que ça va aller mieux à un moment donné. De ne pas baisser les bras surtout. Pas baisser les bras. Ok. En ce moment, toi, t'es quoi? T'es plutôt sur bien, pas bien en ce moment? C'était compliqué dimanche après la défaite. Après, maintenant, on travaille et on va gagner la semaine prochaine. Jackie, je reviens juste vers vous rapidement. Quand Laura, qui joue le maintien, on perd face à un concurrent direct. Non, tout concurrent direct, il te repasse devant. C'est quel discours on a à ces joueurs, hein? Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire, hein? Bah, leur dire qu'il faut persévérer et puis il faut prendre des points et c'est pas très compliqué, ça dépend à quel joueur ou quelle joueuse on a affaire. Est-ce qu'il y a du caractère ou pas trop de caractère? Voilà, je pense que avant tout, il faut savoir tirer des leçons des défaites qu'on a eues et essayer de mettre en application ce qui n'a pas été le match d'après. Ouais. Samuel Grand-Cyr avait été expulsé samedi. Tu avais vu ça, Guillaume? Oui. 3 matchs de suspension, dimanche. Dimanche. 3 matchs de suspension, dont un avec sursis. Après, je trouve que c'est assez logique. Pour Danilo, hein, Barbosa. Bah, c'est ça que je trouve pas logique, mais l'expulsion est pour moi quand même relativement normale.
Après, ce qui est dommage, c'est de s'énerver en fin de match. Mais il vient de rentrer, hein, ça. Une minute sur le terrain. Ouais, c'est quand même la fin de match. C'est pas utile. Ouais. Laura, tu as vu l'expulsion. Pourquoi d'un côté, il y a trois matchs et de l'autre, un seul? Ça, je sais pas. C'est pas moi qui ai décidé, mais le geste de Grand-Cyr, pour moi, c'est totalement mérité, ces matchs. Ok. Moi, je pense qu'il a déjà eu carton rouge. Oui, déjà, il a déjà eu en cette saison, face à Strasbourg. Cette saison, et donc, ils ont mis double dose à mon avis. Ouais. Alfonso, t'as vu? Ouais, j'ai vu le match. Et en voyant le match, j'ai été. j'ai eu le réflexe de dire: oh, mes cousins, toi aussi. J'étais vraiment surpris que ce soit lui, quoi. À la limite, tu sais, quand tu fais. Moi, je t'ai pas surpris. Il a l'air gentil. Non, mais déjà, il a l'air gentil. Il est pas très grand, en plus, en taille, tu vois. Et tu viens de rentrer. C'est pour ça que tu l'aimes bien, parce qu'il n'est pas très grand. Hein. Non, mais attends, tu viens de rentrer, t'as un mec qui joue une heure avec la fatigue et tout. Bon, des fois, tu peux pas te contrôler. Mais attends, t'étais sur le banc, tu regardais tes copains jouer, tu rentres sur le terrain, tu pètes les plombs, et puis tu prends un rouge. Et quand t'es supporter, en plus du Racing, tu regardes ça, tu te dis, mais non, mes gars, tu mets l'équipe dans une situation très compliquée, forcément. Et donc, voilà, et surtout, il se met, lui, dans une situation compliquée. Après, à sa décharge, Jackie, vous avez été joueur, vous avez déjà fait des tacles un peu rudes. Il y a souvent la peur qui prend le dessus dans la réaction. Moi, ça m'est déjà, enfin, tu te fais tacler par derrière, t'as un petit coup d'adrénaline et on a un peu peur, donc on a des fois des réactions que c'est un peu exagéré. À l'époque où je taclais, où je me faisais tacler, il n'y avait pas le VAR et il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas de caméra. Donc, on était un petit peu plus libre. D'accord. Mais c'est la vérité, Laura, quand tu te prends un petit tacle, des fois, t'as la montée d'adrénaline que t'as du mal à gérer. Oui, bon, après, je vais pas prendre une joueuse de coup pour ça, quoi. C'était soft, quand même, non? Non, pas de geste. Ce que je trouve plus déplacé, c'est souvent les mots. Et après, ça, comme disait Jackie, il y a la VAR aujourd'hui, donc c'est difficile de pas échapper à une sanction, même si pendant le match, on le voit pas, il y a toujours des gens qui vont analyser la rencontre en compte derrière. Il y a des sanctions qui tombent après un match. Donc, faut vraiment faire attention à tout, même à ce qu'on peut dire trop près d'une caméra sur un corner. C'est de la communication. Hein. C'est ce qu'on disait avec Jackie en off tout à l'heure. Aujourd'hui, le football, c'est devenu plus de la communication presque qu'un jeu. Ouais, et puis savoir se maîtriser, parce que tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, il y a des caméras partout. Tu ne peux pas passer à travers. Ouais. Là, c'est comme Thauvin quand il a été expulsé la dernière fois. Les propos qu'il a tenus devant une caméra, je veux dire, c'est... Les joueurs doivent vivre avec leur temps, tout simplement, et faire attention à leur comportement. Marine, est-ce qu'on a des commentaires? Oui, les internautes sont plutôt d'accord avec le rouge et les trois matchs de suspension. C'est deux, vraiment. Oui, deux. Par contre, Danilo, un match, apparemment, ils sont assez surpris. On a un commentaire de Nicolas Oberlé pour toi, Alfonso, qui nous dit: quand on était dans la tribune Family, nous avons fait le cri de guerre des joueurs, il faudra le refaire pour que l'on gagne ce week-end. Donc voilà, le message est passé. Ouais, il y a une très bonne ambiance, surtout en fin de match quand il y a une victoire, forcément, et où vraiment avec les supporters, on s'amuse beaucoup. Voilà. Et du coup, on a Apep qui nous demande s'il y a des absences majeures à Lyon. Non, normalement pas. Alors je sais que Martin Terrier et Nabil Fekir étaient incertains la semaine dernière. Nabil Fekir a joué, donc je pense qu'il va rejouer ce week-end. D'ailleurs, c'est une crainte ça, Nabil Fekir, Jackie. Ah oui, c'est le meneur de jouer, le meneur de jeu, c'est le meilleur joueur lyonnais. Voilà, tout simplement, quand il est dans de bonnes dispositions, maintenant il arrive à des matchs où il passe carrément à travers. Donc, espérons que ça sera le cas. Ouais. La saison dernière, tu étais à la Méno, tu avais vu ce match. Hein. Le match contre Lyon. Ouais. Ah ouais, non, c'est... Bah, de toute façon, là, on parle de Fekir et de Jérémy Grimm qui l'a bloqué. Mais malgré ça, à chaque fois qu'il avait le ballon, Fekir, avec les petits crochets qu'il faisait, il restait quand même impressionnant. Donc, c'est le genre de joueur incroyable. Mais moi, je vous dis, c'est vrai que quand le Lyon a mené 2-1 face au Racing, il y a beaucoup de gens qui ont quitté le stade. Ouais, beaucoup, non, quelques-uns. Alors, quelques-uns. Jacques Olivier Pérou. Moi, je pars un petit peu avant pour pas être dans les bouchons. Ah, donc, vous avez loupé le but? Oui. Ah, d'accord. En tout cas. Ça arrive. En tout cas, oui, ça arrive. À part moi, il n'a pas l'air d'avoir trop de regrets. Il y en a peut-être qui ont loupé le but de Manchester. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est foot, sûr. Hein. C'est cruel. Ouais. Non, mais c'est vraiment pour dire que c'était un sacré match. Et je pense que dans les mémoires des joueurs, c'est quelque chose qui va rester. Et on ne va pas aborder ce match
comme on a fait contre, contre Angers. Je pense que contre Angers, on était quand même... Et même moi, je sentais que l'équipe pouvait gagner facilement contre Angers. Là, on sait que ça va être un match, un beau match de foot, j'en suis quasiment certain. Et le Racing va faire quelque chose. C'est, on est chez nous, la maison, ça va pousser. Et je pense que le virage, là, va se transformer. Il va se passer quelque chose lors de ce match. Un sacré virage. Le match aller va rester dans la tête des Strasbourgeois qui étaient sur la pelouse l'année dernière. Est-ce qu'on va se servir de ça, Guillaume, selon toi ? Bah, chaque match a une autre histoire, donc il peut se passer tellement de choses. C'est marrant, tu reprends les termes de Thierry Loury qui nous a dit ça en conférence de presse il y a 15 jours. Chaque match, c'est une histoire. Hein. C'est beau. Bah, hein. C'est vrai, parce que si, comme le PSG, mercredi soir, il y a un joueur qui fait une erreur comme Kerrer, après 2 minutes de jeu, Lyon mène, ça va forcément changer la physionomie du match. Ça, il peut se passer tellement de choses que ça va être vraiment déjà un combat au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain lyonnais est quand même assez costaud avec Ndombele, Aouar et Fekir, si les trois jouent ensemble. Donc je pense qu'il y aura déjà de quoi faire à ce niveau-là. Et après, oui, une belle rencontre et surtout une rencontre ouverte. Après, ce qui s'est passé l'année dernière, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc à la 28e journée, on ne vivra pas la même chose que l'année dernière. Laura, d'une année sur l'autre, est-ce qu'on se remémore un match ? On se dit, tiens, l'année dernière, on avait fait ça face à cette équipe. Est-ce qu'on s'en sert ? Ça reste dans la tête ? Ça reste dans la tête. Je pense que ça leur prouve juste que ben, rien n'est perdu, même à la 90e. Donc ça peut leur servir. Après, ça va... je ne pense pas que ce soit le même match comme dit Guillaume, mais ça reste dans les têtes, en tout cas. Qu'est-ce qui peut être vraiment différent à l'extrême sur le match de samedi, par rapport à la saison dernière ? Est-ce qu'il y a un élément qui peut sortir du lot ou... Non, après, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas les mêmes joueurs, c'est peut-être pas la même composition, il y a plein de trucs qui changent. Donc, c'est pas la même pression, il y a plein de trucs. Il y a un joueur en face qui va faire son retour à la méno, c'est Martin Terrier, s'il joue. Martin Terrier qui réalise quand même une très belle saison, cette saison, qui a 21 matchs en Ligue 1, 3 buts avec l'Olympique Lyonnais. C'est autant de buts que l'année dernière avec le Racing Club de Strasbourg, avec 25 matchs joués. Et on rappelle qu'il avait marqué également à Grenoble en Coupe de France. Jackie, le retour de Martin Terrier, quand on joue face à son ancien club, comme l'avait fait Stéphane Bauken, on aura un petit surplus de motivation. Surtout que ça, c'est... le rapport avec les supporters, il n'est pas extraordinaire. C'était pas vraiment son club, quoi. Je veux dire, il était à Strasbourg, il a été très brillant pendant les premiers mois, 3-4 mois, et puis il a disparu en deuxième partie de saison. Donc c'est pas la même chose que Stéphane Bauken quand il est venu, ou un joueur qui a passé plusieurs saisons à Strasbourg. Je pense que le problème sera différent. Moi, je pense que l'équipe du Racing demain, il n'y a rien à comparer avec l'année dernière, parce que d'abord, c'est pratiquement plus les mêmes joueurs. Je ne sais pas combien il en reste de ceux de l'année dernière, mais certainement pas beaucoup. Et puis l'équipe a beaucoup plus de maturité. Ça ne veut pas dire que ça va mieux se passer, mais beaucoup plus de maturité. Et puis l'année dernière, sur ce match, on a aussi eu une réussite qui était un petit peu insolente pour mettre ce coup franc. Espérons que cette fois-ci, ça va être la même chose. Et je suis sûr que le Racing sera au niveau, parce que la volonté sera décuplée contre ce genre d'équipe. Voilà, je pense que ça, c'est un des points forts du Racing. Breaking news, égalisation du Stade Rennais face à Arsenal, un but partout, but de Bourigeau. Voilà. Alfonso, raconte-nous un petit peu rapidement là, ce que tu fais à la méno déjà. Tu sers à quelque chose vraiment à la méno ? Ouais, je sers à quelque chose. Non, mais franchement, pour moi, le Racing, c'est une belle histoire. Parce que moi, j'ai. Déjà, vous voyez, je ressemble à un joueur. Pas du tout. Attends, avant, Cédric, ne mets pas le visuel, parce qu'on t'a préparé un petit quelque chose. Mais amis supporters qui suivaient l'émission, dites-nous à quel joueur ressemble Alfonso. Voilà. Et donc, moi, mon premier match, en fait, au Stade d'Amiens, c'était en 93. Où Strasbourg recevait Marseille à domicile. Donc vous imaginez. Avec le joueur en question. Et donc j'ai été très. C'était mon plus beau souvenir aussi, parce que j'étais justement au côté populaire et je voyais les joueurs de très près pendant les matchs. Je garde ce très beau souvenir du côté Marseille où je voyais les joueurs de très près. Et c'est des joueurs que je voyais à la télé. C'était la première fois que je voyais vraiment des joueurs de près. Et ça reste un magnifique souvenir. Donc moi, j'ai mes frères qui ont joué aussi au Racing. Donc je les ai suivis aussi. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu rencontrer Jackie Duguay-Pérou, qui s'occupait aussi des jeunes du centre. Il était entraîneur aussi. Donc voilà, j'ai tout vécu, cette ambiance au Racing. Et un jour, on m'a appelé pour... c'était la période où le Racing était en CFA2. Où on m'appelle, parce qu'au centre de formation, il n'y avait plus d'éducateurs, plus rien, et on me dit, écoute, Alfonso, on aimerait quelqu'un comme toi pour venir
pourquoi pas faire de l'animation, t'occuper des jeunes. Thierry Brandt qui m'appelle et qui me dit ça. Et là, je dis, bah, tiens, pourquoi pas. J'aime bien accompagner les jeunes. Et c'est là que j'ai commencé à faire chanter les jeunes du centre de formation. Il y avait Gaëtan Weilbeck, j'espère que je prononce bien, et Anthony Cassis qui faisait partie voilà, à cette époque de l'équipe et qui chantait aussi avec moi. Et franchement, j'en garde un bon souvenir. Et Marc Keller, lui, il est arrivé donc l'année d'après en tant que président et me voit en fait faire cette animation avec les jeunes et me dit, écoute, le jour où le Racing retrouve le niveau professionnel, je te prends et on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de créer quelque chose. J'ai une idée. Et c'est comme ça qu'il a lancé la Family Zone et qu'il cherchait un animateur. Donc, ouais, Family Zone. Voilà, je suis animateur de cette Family Zone où je pose des questions aux enfants. Et s'ils répondent correctement à des questions sur les numéros de joueurs ou sur des carrières de joueurs, bah, je leur offre soit des t-shirts du Racing, des casquettes du Racing, des écharpes et même des sandwichs, hein, des tartes flambées. Et du coup, je suis un peu le Père Noël. Chez toi, nous. On va changer de place, finalement. Je suis le Père Noël de la Family Zone. D'accord. Et du coup, il y a une relation extraordinaire avec ces 4 000 spectateurs qui sont de ce côté. Voilà, donc quand ils me voient, il y a du plaisir, il y a de la joie. C'est la fête. Donc il y a l'avant-match, il y a la mi-temps et la fin du match. Bon, les internautes ont trouvé, hein, Marina. Oui, alors il y a juste Roro qui nous dit que tu ressembles au batteur des Magic System. Hein, voilà. Ça, on l'a déjà dit aussi. et sinon, le reste des internautes est unanime, le saisie de Boli. Anfonso Boli. Regardez, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Il y a juste un peu plus de puissance du côté de Basile. Hein. Ouais, c'est clair. On se demande qui c'est Basile Boli. Non, c'est la folie. Tu sais pas qui est. J'étais à Marseille, on m'a arrêté. Défenseur, problématique. Et moi, à l'époque, je voulais, parce que j'ai aussi joué au foot, je voulais toujours être attaquant, parce que je trouvais que marquer un but, c'est toujours exceptionnel. Et à chaque fois, les entraîneurs me disaient, écoute, non, toi, t'es trop nul, toi, t'as la tête d'un stopper. Bon, vu que tu fais des petits jeux, Jackie, je sais que vous n'aimez pas les jeux, mais le mien, vous allez l'aimer. Je pense que vous allez l'aimer. On n'était pas là la semaine dernière, c'était une première. D'ailleurs, la semaine dernière, on a fait gagner une tasse à un internaute. On va le refaire. On va refaire la même chose. On va vous faire gagner une tasse. C'est simple. Vous devez choisir entre... Désolé, Marine, tu n'auras pas le droit de jouer. C'est 4 personnes. On a Jacques Duguay-Pérou, on a Alfonso, on a Guillaume et on a Laura. Vous devez choisir un prénom. Si la personne qui remporte, vous avez une chance de remporter la tasse. Je ne sais pas si c'est vrai que tu avais mis le nom du vainqueur de la semaine dernière. Mais allez, on va démarrer déjà avec le premier jeu, avec un visuel, retrouver le ballon. Ça, c'est facile. C'est facile quand même, hein, Guillaume ? Voilà. Est-ce que le ballon est en première position, deuxième position, troisième position ? Laura, à toi l'honneur. Tintintintintin, 3 secondes. 2. En 1. En 1. Guillaume ? En 1. En 1. Jackie ? Si c'était 3, il y aurait pénalty, donc je vais dire le 1. Alfonso ? Ouais, le 1, parce que quand on regarde les yeux des joueurs, dans la direction où ils regardent, c'est plutôt le 1. Donc, on va voir si vous avez raison. On va voir, tout de suite, réponse. Oh, 0, c'était en 2. 0, voilà. Allez, maintenant on passe à l'image suivante. Mais... Faut que je m'en aille. Non, mais attendez, Jackie, après, il y a des points pour vous, là. Non, j'espère qu'il y a des points pour vous. Deuxième image, rapidement. C'est quoi ce jeu ? Qui est ce joueur côté Racing Club de Strasbourg ? Bon, déjà, vous avez remarqué qu'on joue avec le nouvel équipement, donc c'est cette saison. C'était du côté de Bordeaux. Laura, 3 secondes. 2. 1. Zoé. Guillaume. Fofana, allez. Fofana, Jackie. Je sais pas. On voit pas le numéro en plus. Hein. Alfonso, vas-y. Dacosta. Dacosta, Jackie. Non, je vois pas. Vous séchez. Allez, qui est ce joueur ? Dacosta, Alfonso, un point pour toi. Ben voilà, c'est parti. Allez, maintenant, plus d'images. Vous devez m'écouter. Je suis né où ? À la rue. Je suis né le 2 août 1980. Je suis formé à l'Olympique Lyonnais. Je rejoins Strasbourg en 2001. J'ai disputé 275 matchs. Vercoutre. Non, j'ai disputé... Guillaume Lacour, bravo Jackie. Bravo. J'ai participé à sa venue en 2001. En plus. Ouais. Je file à Evian avec ensuite. Avec Yacine Abdesaki, ils avaient fait un match d'essai contre le Sporting de Schiltigheim. Ouais. Bravo Jackie, un point pour vous, vous revenez à égalité avec Alfonso. La date exacte, hein, mais bon. Ça, c'est facile pour tous les amoureux du Racing Club de Strasbourg. Tu me dis, hein, si jamais on a des réponses, hein, n'hésite pas, hein, Marina.
Oui. Je suis né au Zaïre le 25 mai 1979. Laissez quelques petites secondes au cas où. Je débute ma carrière à Niort. Je rejoins Strasbourg en 1998. J'ai disputé 100, j'ai la réponse, si je plus peux. De 100 matchs. Oui, si tu as la réponse. Peggy Lui Ndoula. Bien joué, Alfonso. Alors, on a Roro qui a répondu avant toi, qui a répondu la même chose. Ah bah, très bien. Voilà. Voilà. Bravo, et qui Roro. Ensuite, voilà, sa carrière va à Lyon, passe par l'Olympique Lyonnais, passe par le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est un joueur qui avait Marseille. Mis beaucoup de temps à marquer son premier but au Racing. Ouais. Et le jour où il a marqué, parce qu'en fait, on ne lui en voulait pas. Autant, ça a dit, on lui en a beaucoup voulu. Pourtant, il avait marqué quand même le deuxième match. Mais lui, on ne lui en a pas voulu parce que c'est un mec qui faisait beaucoup de passes décisives, qui était beaucoup dans les actions. Mais il a mis beaucoup de temps à marquer son premier but. Ouais. Et une fois qu'il l'avait mis, il a enchaîné, quoi. Guillaume Laura, va falloir y aller, là. Hein. Là, va falloir y aller. Je suis né à Lyon le 16 mai 1975. J'ai été formé à Lyon. Je débute ma carrière à l'Olympique Lyonnais. 57 matchs. Sous le maillot des Gones. Je passe en transition aux Servettes de Genève, 11 matchs en Suisse, et je rejoins Strasbourg en 2000, où je dispute 159 matchs. Après le Racing Club de Strasbourg, je file à Reims, 22 matchs, c'est la fin de carrière professionnelle. Je ne joue plus, je suis coupé du football, et j'ai mis un but très important en 2005 en finale de la Coupe de la Ligue. Celui que tu as eu au téléphone, Jean-Christophe. Ouais. Jean-Christophe Deveau, Jackie Duguay-Pérou, un point pour vous. C'est pas facile en fait cette carrière. Hein. Ouais. C'est ouais. Passer par le Servette de Genève avant de venir à Strasbourg. Cristiano, qu'on salue, avait répondu la même chose. Ouais, hein, Jean-Michel aussi. Jean-Michel après, aussi. Après. Dernier joueur. Dernier joueur. Je suis né parce que ça serait trop facile et l'année surtout. Je suis formé à Lyon. Encore. 293 matchs avec l'Olympique Lyonnais. Je rejoins Strasbourg en 1977. Christian Basile. 1977. Raymond Domenech. Raymond Domenech, Alfonso. Ah, bravo. Le premier cette fois-ci. Ouais, mais bravo. Bravo. Jackie n'a pas trop bien compris l'année. 1977 jusqu'à 1981, 157 matchs. Je suis champion de France. Je ne pensais pas que tu allais aller si loin dans le temps. Pourquoi pas ? C'était parce pour que vous gagniez ? Parce que t'étais pas né. Mais je connais quand même un peu, j'ai un peu de culture football quand même, monsieur Duguay-Pérou, veuillez m'excuser du peu. Est-ce qu'on a des commentaires ? Oui, il y a Jean-Michel et Loïc qui avaient trouvé aussi Raymond Domenech. Voilà, donc on verra qui a gagné. Je savais qu'il jouait à Lyon parce que, pour la petite histoire, les Gospel Kids ont chanté au Stade de France pour les matchs France-Maroc. On a chanté l'hymne français et l'hymne marocain qui avait été sifflé. Et c'est Raymond Domenech qui a accepté d'être le parrain à l'époque de l'équipe de France. C'était juste après la Coupe du Monde 2006, où c'était une vedette, hein, Dominique. Du coup, il a accepté d'être le parrain des Gospel Kids. On a chanté au Stade de France. Et il m'a raconté justement cette petite histoire qu'il a joué à Lyon et tout ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand on m'a dit Lyon, avec les années, j'ai fait le lien. Vous avez joué ensemble aussi. Ouais, je me suis trompé. Ouais. J'ai laissé, par respect, répondre quand même. Voilà. C'est notre doyen. Voilà. Hein. Et après, merci, hein. Doyen, c'est toujours respect. Donc, quand un Africain dit doyen... Je le prends comme ça. Oui, voilà. Respect. Moi, je t'aurais pété la gueule. Hein. Moi, j'aurais mis un tacle par derrière au niveau de... J'ai beaucoup de respect pour Jacques. Laura, je suis désolé. Aujourd'hui, le Racing Club de Strasbourg a une absence assez longue. Donc, des joueurs professionnels qui ont joué dans les deux clubs, au-dessus de 1990, je galère un peu, quoi. Et la dernière fois, je t'en ai donné un, c'était un cadeau. Non, mais t'as fait que deux jeux du ballon, là. Moi, je suis forte au jeu du ballon. C'est pas Laura qui a gagné le jeu de la semaine dernière ? Non, presque. Elle s'est presque, elle avait pris de l'avance avec le jeu du ballon, mais au final, jeu du ballon, t'as zéro point, là. Il y en avait qu'un, en même temps. Guillaume, toi, les joueurs, là, c'est une panne sèche, là. Ouais, j'espère que je gagnerai à Winamax demain. Putain, j'ai cru que c'était Marine en face de moi, là, sur les joueurs. Jonathan, on a Coco Corillas qui aimerait te poser une question. Qui était le premier Brésilien au Racing ? Est-ce que tu as la réponse ? Avant qu'il nous la donne. Je l'ai. Si quelqu'un d'autre a la réponse. Hein. C'était pas celui qui a marqué à Lille à l'époque. Avec quelle période ? Avec Pascal Jonathan, le premier Brésilien de l'histoire du Racing. Pica ? Pita. Pita. Ah oui, Pita, mais oui, Pita. Sous l'époque Echter. Ouais, les débuts des années 80, je pense. Bon, ben, un point pour... Mais je sais pas, il y en a peut-être eu avant. Hein. Je sais pas, on va voir. C'est Coco Corillas qui va nous donner la réponse. Mais il y en a eu quelques-uns ensuite, hein, des Brésiliens qui sont passés par le Racing Club de Strasbourg. Hein. D'accord, ok. On a le dernier en date. Des Argentins, surtout. Le dernier en date, Brésilien.
quand même, le dernier en date. Il jouait ensuite, il joue encore, il joue à Lorient. Felipe. Merci beaucoup, monsieur Felipe. Felipe Sade, le dernier. C'est vrai. Exact. Bon, on va revenir à ce match. On va faire un petit tour de table quand même. Demain, il y a l'émission Winner Racing. On va faire un tour de table sur les pronostics. Quel pronostic pour le Racing Club de Strasbourg, toi, Laura? Tu as le droit de donner un score aujourd'hui, donner un... Ah ben non, demain, t'es pas là. Toi, non, demain. Je suis pas là. T'es pas là, donc t'as le droit de donner ton pronostic tout court. Je vais mettre 0-0. 0-0 ? Oui. Ok, pas de but. Les deux, enfin, parmi les meilleures attaques de Ligue 1, pas de but. Non. Ok. Merci beaucoup. Guillaume ? 1-0 ou 2-1 pour Strasbourg. 1-0, donc une victoire. Non, c'est pas où, c'est... Alors, victoire du Racing et 2-1 pour Strasbourg. C'est ton boulot, là. Alfonso, comprenez-vous. Moi, je m'attends à un gros match avec beaucoup de buts, donc je mets 3-2 pour le Racing. Ouais, enfin, tu fais juste un copier-coller de la semaine dernière. Ah non, mais je pense qu'on va revivre quasiment le même scénario. Je pense qu'on va... Est-ce que tu peux nous donner ton numéro de téléphone pour qu'on t'appelle si jamais c'est pas ça? Tu peux, il n'y a personne qui regarde. Il n'y a pas de soucis. 3-2 pour le Racing. Jackie? Moi, je vois un match nul serait pour moi un très bon résultat. Bah oui, comme ça l'a été face à Lille. Voilà. Après, il faut se mettre aussi dans... Vous savez, les ambiances d'avant-match au Racing, c'est quelque chose quand même qui font toute la différence. Moi, les matchs où j'ai été toujours impressionné, on a eu Marseille l'année dernière, on a eu Metz l'année dernière, où c'était toujours des matchs où on sentait une certaine atmosphère, enfin une grosse ambiance, et c'est ce qu'on aura samedi. Et ces matchs-là, bizarrement, les joueurs sont tellement concentrés à l'échauffement, il se passe vraiment quelque chose qui fait que le scénario du match, on le voit dès le premier quart d'heure, c'est voilà, ça, ouais, pousse, c'est ça pousse, et puis voilà, et ça crée de l'ouverture, et moi je pense qu'il va y avoir voilà, un très bon Racing face à des Lyonnais qui bien sûr vont jouer, mais en jouant c'est là où ils vont se faire piéger. Ouais. Marine, est-ce qu'on a des pronostics des internautes rapidement? Oui, alors les internautes ne croient pas du tout à une victoire de Lyon, hein. C'est soit un match nul, soit une victoire pour Strasbourg. Donc on a Marc qui nous dit 2-1, Aurélie qu'on embrasse nous dit 2-1 ou 3-2 idéalement. Loïc, un partout. Mathieu, un partout. Anne nous dit 1-0. Roro, 3 partout. Ok, très 3 bien. 3 partout, oh, okay. On aura une belle cote. 4-4 demain. Voilà. Après-demain. Punaise, moi, j'ai du mal. Hein. J'ai l'impression qu'on va jouer tous les vendredis. Là, depuis qu'on a joué face à Lille le vendredi. On parlait de grosses ambiances. T'as une ambiance, toi, qui te revient comme ça à la Méno, que tu as vécu. Une ambiance particulière. Moi, c'était à l'époque de Mostovoy et Wenzel. Les années 96, 97. Un Strasbourg-Nantes, où le Racing avait battu Nantes la seule fois de la saison, qui avait fait, il me semble... C'était pas en 95, ça? L'année d'avant, ouais, c'est ça. Donc, 35e journée, 2-1, but de Leboeuf et de voilà, Mostovoy. C'était, ouais. Ce match, c'était extraordinaire. Ouais. Parce que c'était quelques jours avant ou après la victoire contre Metz en demi-finale de Coupe de France. Ouais. Deux fois 35 000 personnes à la maison. Quelques jours. Laura, si tu me dis Lyon-Duchère ou Saint-Louis en CFA 2, CFA... Non, enfin, à la Méno, il y a à chaque fois une grosse ambiance, mais ben, la saison passée, Strasbourg-Lyon, surtout à la fin. Donc, c'est celle-là la plus importante. Ça reste la plus grosse ambiance que tu as vécue, toi, à la Méno? Ça reste une grosse ambiance. Alfonso? Alors, moi, c'est... Alors, je dirais pas le plus beau, mais qui m'a le plus marqué, mais mentalement, physiquement, où vraiment, j'étais... très heureux en arrivant au stade, très content à chanter comme un malade jusqu'à la dernière seconde du match. C'est un mauvais souvenir pour Jacques Duguay-Pérou. C'est ce jour-là, on rentre dans le stade et c'est là où le Racing font un gâteau géant. C'est-à-dire que c'est le plus gros gâteau du monde, ouais, où à la fin du match, chaque supporter peut manger un gâteau gratuitement. C'est là où il y a eu le plus gros gâchis. Jacques Duguay-Pérou était entraîneur. Un très gros gâchis. On joue ce match, si on fait 0-0, match nul, le Racing monte en Ligue 2. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, on monte en Ligue 2 si le Racing gagne ce match. On joue contre Amiens. Dernière seconde du match. Mais tu sais, ce match-là, non. Non, mais c'est vrai. C'était, si tu veux, inimaginable. Et c'est ce que, du coup, les Parisiens ont dû vivre hier. Alors, c'est autre chose au niveau échelle. Mais pour moi... Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Et Tourelle, il devait être hier soir dans l'état où moi j'étais quand... Comment vous avez fait, Jacquet, pour remonter, pour passer outre? Combien de temps vous avez mis? Impensable que ça arrive. C'était,
C'était fini, j'avais été expulsé 5 minutes avant et je l'ai vu à la télé parce que j'étais en train de descendre pour aller au vestiaire et pour féliciter les joueurs. Donc c'est un des plus mauvais souvenirs et c'est un cauchemar. Et la meilleure ambiance, parce qu'on était quand même parti. Non, moi j'ai eu des ambiances. La meilleure ambiance, c'est quand on est revenu de Lyon en étant champion de France. Et qu'on a mis 5 heures à traverser la gare pour aller faire extraordinaire, ça va. C'est quelque chose que les anciens ont dit que de la libération, ça s'était jamais vu. C'était du jamais vu. Il y avait des milliers de personnes. C'est beau. Et puis beaucoup de belles ambiances à la Méno, dont Nantes, dont Metz, dont Liverpool, dont beaucoup quand même, mine de rien. Ouais, mine de rien. Lionel Carroll nous disait, je te donne la parole juste après et puis après on va se quitter. Lionel Carroll nous disait qu'aujourd'hui, quand ça poussait vraiment fort, que limite ça n'arrangeait pas les joueurs parce qu'ils n'arrivaient pas à échanger à 2 mètres l'un de l'autre. C'est incroyable. Ouais, c'est impressionnant. De toute façon, quand on sort du tunnel avant le match, qu'on soit joueur ou entraîneur, c'est une sensation qu'on ne peut même pas vous expliquer. Ouais. Bah, sans doute. Je comprends. Marine, est-ce qu'on a des commentaires pour finir ? Oui, on a des internautes qui nous citent leurs meilleurs souvenirs, leurs plus forts. Il y a Mathieu qui nous dit le match de la montée en Ligue 1, dans le COP, c'était dingue, stressant, rempli d'émotions. On a Aurélie qui nous dit le match de la montée de Ligue 2 et la remise du trophée. Et on a Loïc qui nous dit RCS Linon, l'année dernière, c'était quelque chose, mais RCS OM en 2003, c'était une ambiance de fou. Ouais. Voilà. Oh, il y a eu quand même de grands matchs à Strasbourg. Il y a eu de grands matchs, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Merci d'avoir été avec nous. Merci Laura. On te retrouve la semaine prochaine. Oui. C'est bon, t'as pris ton ticket d'abonnement là. C'est bon. C'est parti. Très bien. Guillaume, à bientôt. À bientôt. Peut-être la semaine prochaine, peut-être. Ouais, on verra. Ça marche. On verra ça. Monsieur Duguay-Pérou, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve lundi. On a passé une bonne émission. C'est passé vite. Hein. Super. Voilà. On se retrouve lundi. Bon, principe, ouais. Si tout va bien. Avec les 3 points, on l'espère. Merci Marine d'avoir été avec nous. Merci. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, je serai pas là, mais dans une dizaine de jours. Il y en a qui ont droit à des vacances ici, t'as vu, c'est quand même extraordinaire. Si seulement. Alfonso, merci beaucoup. Un plaisir. Tu vas mettre le feu ce week-end ce week-end à fond. Et puis par contre, un peu plus fort parce que moi, je suis placé, j'entends pas bien. je vais y aller la prochaine fois, du coup. Merci beaucoup, tu reviens quand tu veux. Ta place. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de bien faire sûr. Une petite pub pour c'est vrai que c'est passé vite, là. Hein. En tout cas, on a un nouvel album, Gospel Kids, qui sort mi-mai. Pour notre grand spectacle qui aura lieu le 25 et 26 mai à l'Iliade à Strasbourg, avec 150 enfants sur scène. C'est quoi? Tu nous l'enverras, on le partagera sur la page Direct Racing. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci d'avoir été avec nous, on t'embrasse. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir pour un Strasbourg Football Show un petit peu particulier. On se retrouve demain pour l'émission Winner Racing et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode du Strasbourg Football Show. Je vais y arriver, c'est dur. Merci Cédric Munch à la réalisation. Bonne soirée à toutes et tous et à demain.